Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Ni no Kuni 2 sur PlayStation 4 Pro. Donc, j'ai traversé la plaine. On a une petite scénette vite fait pour nous expliquer les origines des oreilles du personnage principal. Donc, il est mi-humain, mi-mystigris. Donc, on n'a rien raté de transcendant. Alors, nous attaquons une nouvelle zone. On va voir un petit peu. La vallée Oboarask. Nous y voilà. Le dôme de lumière se trouve sur une petite île dans la mer près de Prémissia. Aha. Donc nous aurons aussi besoin d'un bateau. Bon, pour l'instant, faut traverser la vallée. Très bien. Alors, traverser ça. Bonne nuit, dingo. T'as cette musique du stress. My god. Salut, Dictat. Les mecs veulent nous stresser à fond. Hein. What the fuck. Yami qui veut un site pour mater du streaming. Netflix. 10€ par mois. Et au moins, tu sais qu'il n'y a pas de merde sur le site. On va faire quelques pas en épisode, voir ce que ça donne après. Bon, je pense que... Oula. Qu'est-ce que... J'ai pas eu le temps de le dire. Mais... Soyons prudents. Mais de quoi... Qu'est-ce que... Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis. Hop, un nouveau point de voyage, nickel. Parce que je veux voir si les ennemis se renouvellent énormément ou si c'est juste... Les mêmes qui repopent en boucle. En changeant de couleur comme dans certains jeux. Alors on a un PNJ, un marchand peut-être. L'eau. Vous m'avez pas l'air de pirate, dites-moi. Marchand ambulant. Alors il a un magasin à Caraba. Mais il y a eu du remue-ménage. Ouais. Du coup, dans le doute, j'ai préféré m'enfuir. Le mec nous a reconnus. Et oui, on a réussi à s'en sortir pour l'instant. Alors, peut-on savoir ce qu'est Mechabook? Je n'en ai jamais entendu parler. Quoi? Vous ne connaissez pas? C'est une machine super pratique qui permet de consulter les dernières infos de tout autour du monde. Ok. Ça m'a l'air utile. Ouais. J'en ai encore un. Le prix, 100 000 florins. Ouais, d'accord. GG Wellplay. My god. Mais comme je sais que les temps sont durs pour vous, je vais vous faire une belle offre. Ce sera donc cadeau. Ouais. Le mec est gentil. Ce fermier a les poupours à l'air quand même. T'appelles ça les poupours, toi? What the fuck? C'est quoi cette expression? Mais oui, mais Netflix, je paye mon abonnement. Ça a même augmenté, je crois que c'est 11€ maintenant. Après, t'as plusieurs offres. Je crois que t'as 3 offres. Selon l'HD, la 4K, le nombre d'écrans, etc. Alors, Mechabook est une machine permettant de consulter les dernières infos du monde entier. Très bien. Une notification apparaît lorsque de nouveaux articles sont postés. Très bien. Offrande du Saint-Mousse. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il se passait quelque chose d'incroyable lorsqu'on fait des offrandes à une statue du Saint-Mousse. Du coup, j'ai tenté ma chance avec une babiole qu'on avait à la maison. Mais il ne s'est rien passé. Ajoute favori. Ah, c'est pas mal, j'aime bien le principe, là, ça fait un peu réseau social. Je trouve ça plutôt pas mal.
Surtout ça, là, l'histoire du Saint-Mousse, pour débloquer de nouvelles mousses, ça, à mon avis, c'est pas mal. Ça parle de la météo. Ouais, ouais, ouais. Un nouveau roi à Carabas. Ouais, ouais, ouais. Qui est Mr. Book? Bon. Écoutez, on va pas tout lire dans le détail tout de suite. Dragon Quest Heroes, j'y ai pas joué. C'était celui sur Wii, non? Non, je confonds. Ils sont niveau... Oh, niveau 4. Par contre, ils sont électriques. Ouais, il les défonce, ok. Donc, je peux taper dessus, ouais, sans problème, d'accord. Parce qu'il y a des RPG, les ennemis électriques, quand tu leur tapes dessus, en fait, genre t'es un peu paralysé. Là, c'est pas le cas. Parle aux mousses à côté de lui. Qu'est-ce que... Pour où? J'ai pas compris ton message. Mais vivement que tu règles ton PC. Quoi, il y avait des mousses à côté de moi? Tu parles de lui là, pour où, le petit là? Je peux pas lui parler, lui. J'ose pas, mais il se passe rien. Le mec me met dans le doute. Ah! Pour qu'il me parle de mousse à côté de lui. Mais qu'est-ce que... Oro, c'est un lama, c'est pas... D'ailleurs, j'ai même pas regardé ce que me vendait le marchand, hein. What the fuck. À côté du marchand. Mais... Vieille cape. Bon, on va sûrement looter des trucs de cool, ouais, on va pas... Y'a un mousse à côté, là? J'ai même pas vu. Where? Poro, suis-je bourré? Es-tu toi-même bourré? Sommes-nous tous bourrés? T'avais 4 mousses à côté de lui. Poro. Mais j'ai trouvé une porte, j'ai rien pu faire avec. T'as peut-être fait quelque chose chez Mamie Gwendoline ou je sais plus qui là. Ou non, comment elle s'appelle? C'est pas Gwendoline, c'est... Ah, j'ai oublié son nom. Tati, j'ai oublié son nom. Tati quelque chose. Mais, d'accord, donc pour lui, il était en mode facile. Hein. J'ai pépé de toi. Bonjour, monsieur. Mais son gun fait trop mal. C'est n'importe quoi. À la limite, je vais essayer de jouer juste pour utiliser un peu le gun, voir les dégâts que ça fait. Gretchen, voilà, Gretchen. C'est... Le nom de la tante dans Malcolm, enfin la tante, la patronne de Francis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être parce que oui, t'avais un pack... Mais j'ai toujours pas activé mon pack DLC. Mais qu'est-ce que je suis cruche? JPP. Hein. C'est un Erebicoptère, une plante qui pousse, entre autres, dans la vallée. Ouais. Ça peut créer des petites tornades. Et donc? J'en avais vu dans les livres, mais c'est la première fois que j'en vois en vrai. Allons-y. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis sûr que plus tard, ça s'utilise genre pour sauter ou... Enfin, oui, c'est... Obligé. Obligé. Ah oui, donc quand tu charges, le mec fait un kamehameha. What the fuck? Ah d'accord, le mec s'est pas visé. Bon, je préfère quand même jouer avec... Ah mince, il en reste encore. Avec Evan. Mais le mec spam son mana là, wesh. Go économiser, non? C'est magnifique. Ouais, faut aimer le style canyon un peu désertique. Mais ça va. Helvetic est toujours... T'es encore anonyme du Turfu ou t'as évolué, mon cher? Ah, il saute assez haut quand même.
Niveau 5, il est gros, mais il a pas l'air de faire très mal. Bonjour, monsieur. Je vais peut-être t'attaquer avec une grosse boule de feu quand même, histoire de te calmer. Ouais, c'est un sac à PV. J'ai peur de l'autre qui charge une attaque, je sais pas ce qu'il nous fait. D'accord, il est mort, je sais pas, ça a changé de cible automatiquement. Ah, mais c'est les mousses qui ont dû faire le taf. Elles sont cheatées, ces bestioles. Oh, elle veut dicter un petit poussin, et dicter c'est un piou-piou. C'est trop mignon. Et l'ali aussi, le piou-piou. Vous êtes tous des piou-piou. Et Giel qui est apprenti des oratoriens. Mais... alors ce qui est chiant, c'est que j'ai mis des emotes, mais qui sont pas pris en charge par YouTube. Du coup, il y a un petit bug au niveau des emotes. JPP. Enfin, des emojis. C'est la tristitude. Hein. Écoute, je sais pas, faudrait que je corrige ça. Oh, c'est chaud. Bon. Là, ils sont un peu nombreux, mais bon, ça devrait aller. Quoi, attends, il m'a attaqué d'office, what the fuck? I don't agree. Ah d'accord, le mec est mort. Bon bah... t'es comme juste... ouais d'accord, le mec s'emballe. Il y a encore ce principe. ouais. Un haricot mûr. Plage des Zelda. Genre tu le pousses, tu reviens après. Non, il y avait un coffre là-haut, mais... parce que là, je peux pas remonter, là. Non, je pense pas. Il ne saute pas assez haut, notre petit bonhomme. Bon, bah du coup, j'ai pas trouvé le chemin. GG. Bon, bah, on a ramassé des œufs, c'est génial. Et le coffre, il était un peu plus loin. On va essayer de le choper et voir par où faut passer, en fait. Alors... un collier de garde. Ah, qu'est-ce que ça donne, le collier de garde? Collier de vigueur. C'est bien parce qu'il a un bonus de PV, je pense que pour lui c'est pas négligeable. On va rester comme ça pour l'instant. Plus tard, Lali. Alors. Du coup, j'avais même pas tout ramassé, what the fuck. Alors, comment je passe? Par là? Ouais, d'accord. C'est bien ça. Mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin des compétences, donc je les spamme pas. Hein. Mais on pourrait les spammer plus que ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin? What is this? Il est confus, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il est très bizarre. Très très étrange. J'ai encore ces petits machins. Très bien! Très très bien! Oh, un transperceur d'habileté. Qu'est-ce que ça donne, un transperceur d'habileté? Ça donne quelque chose d'assez caca qu'on n'équipera pas. Oh, un nouveau point de TP. Avec un petit point de sauvegarde.
Bon, pour l'instant, le jeu est assez facile, hein, quand même. À part deux pauvres dragons que tu vois à 3 km, qui sont niveau 50. J'ai rien vu de vraiment dangereux. Même étant niveau 7, hein, je pouvais défoncer des ennemis niveau 14. Parce que j'ai un taf, mais oui, je suis facteur. Je ne suis absolument pas youtubeur. Alors, il n'y a pas moyen de monter. Venez ici, Sivima. D'accord. Alors, il veut qu'on suive. Eh bien, allons-y. What do you want? Petit mousse. Petite mousse. Je sais pas si on dit une ou un mousse. Il y a quelque chose dans le trou? D'accord. Petit mousse, donc on dit un mousse. Salut Aigle Royal, bienvenue. Bijou. Branche d'arbre. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. On a appris le sort Rafale. Oui. Ah ah. Magie. Yes. Ouais. Donc ça va faire tourner l'hélice et on va pouvoir... Ouais. Utile en effet. Alors de mon côté, je reviendrai sur mes pas hein, pour explorer un peu toutes les options avec ce nouveau saut là. Parce que bon, il doit y avoir quelques coffres. Ah, des bottes. GG. Je crois qu'il n'y a même pas de bottes en plus. Ouais. Et j'en avais déjà. What the hell. Allez hop. Bisous pour toi. Qu'est-ce que... Bisous. Bisous, bisous. Allez hop, on redescend. Ok. Bon, bah très bien. On peut progresser du coup, c'est nickel. Il y en a qui jettent des projectiles quand même. C'est pas très gentil. Tu vas où toi? Ouais d'accord. Il est cheaté Roland. Roland. Heureux l'a dit. Ouais, on a looté un pistolet trop puissant. C'est n'importe quoi. Ah d'accord, c'était un coffre. Knack, non, j'ai pas prévu d'y jouer. Le 1 en plus a été offert, je crois, avec le PS Plus. Mais le jeu a l'air d'être assez moyen, voire décevant, en fait. Après le 2, il y a bien le multi, mais bon, ça m'a pas emballé plus que ça, dirons-nous. Allez, on va se focus sur un ennemi à la fois. Aïe! À toi de mourir, saleté. Ouh, un coffre. Sabre de flamme.
Alors, on va voir si c'est plus intéressant. Ouh, il a l'air de faire bien mal. Pourquoi j'avais gardé celui-là, mais je sais pas. Ah, par contre, il recharge assez lentement. Il est D. Bon, bah, tant pis. Hein. Ailleurs. On va continuer par là. Little Nightmare. Non merci. Ce n'est pas prévu. Attends, go viser le piaf là. Voilà, merci. Aïe. Voilà, j'aime bien utiliser sa baguette pareil, un peu comme un système de dash. Aïe, d'accord, j'ai voulu me tirer trop loin. Mais non, mais c'est que c'est un jeu assez anecdotique, on va dire. Un peu comme Puppeteers à l'époque sur PS4. C'est sympa, mais c'est pas... C'est pas transcendant, donc je ne pense pas. Ou alors il aurait fallu que je le fasse quand c'était sorti. Parce que ça commence à faire quelques mois déjà, il me semble. Le DLC intrus dans Dragon Age Inquisition. Oh, j'en sais rien. Oh là là. Ça fait trop longtemps Dragon Age, hein, c'est vieux. Ça a quoi, 3 ans? Au moins 2 ans, voire 3. Donc je ne saurais te dire. On peut passer là? Ouais. Ah bah ça mouille, bah oui, c'est de l'eau. L'eau ça mouille en principe, tu sais. Ah, encore un gros. Bon ça va, on a deux épées pleines. On va pouvoir le spammer un peu ce caca là. J'ai bien le... On peut pas le verrouiller, si le verrouille à distance, allez hop. Par contre je peux pas l'attaquer, ouais, tant que le combat est pas engagé. Et on va essayer Rafale en fight. Ouch, d'accord, c'est un coup d'épée et wow, comme j'ai voulu m'écarter. Ok, bah, c'était de la chasse. GG wellplay. Waouh, 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 j'étais pas prêt à ça, monsieur, on se calme. Et l'autre, il fait quoi? Il fait un heal? Go viser le piaf, là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais viser le piaf, bon bah RT. Et ces machins ils chargent pas leur truc, les verts là? Je ne sais pas. Si ils chargent, alors attends, qu'est-ce qu'ils font? C'est toi me tirer dessus, SVP. C'est quoi, c'est un heal? Ok, donc eux heal. Je sais pas si la garde est efficace dans le jeu, monsieur. Go, lancer ton sort, je veux voir le... D'accord, il tape à côté. What the fuck, hein, je me fais défoncer pendant le début du fight et après il me rate. GG! Parce qu'il y a des fois dans ma tête j'ai envie de garder mais ça fait la roulade. Donc faut vraiment lâcher la direction en fait. Roblox non plus, c'est pas prévu. Lego Yandere Simulator, certainement pas. J'ai essayé Yandere Simulator, j'ai trouvé ça inintéressant. Après, c'est intéressant à regarder des fois, c'est rigolo à regarder plutôt. Quand les youtubeurs ils font un condensé, mais c'est super lent. Et puis il faut connaître les mécaniques, donc c'est pas mon cas. Donc, Nine. Parce que c'est spécial comme jeu. Hein. Ouais, ça fait quand même. Ça fait quand même bien mal. Il y en a encore au fond là-bas. Go mourir. Voilà, merci. Bon,
Bon, j'imagine que le pistolet est caca, on va pas le vérifier. Oh! La fameuse statue. Faut lui faire des offrandes, du coup. Une voix semble provenir de la statue du Samus. Lorsque l'objet souhaité donné en offrande sera, un mousquetaire naîtra. Aha! Un ingrédient croquant qui ajoute un petit plus au plat. Bah, j'imagine que c'est ça. Vous avez déposé une noix. Ah ah! Un mousse est sorti de la statue. Alice, la Lolita. Alice et la Lolita, on va dire. Parce que Alice, non. Très bien. Par contre, première offrande, d'accord. Mais c'est pété tous ces... Tous ces mousses là, what the hell. Après, attends. Après, ils sont niveau 1, donc... Robin, Nemo, Alisa, cœur de pierre. Alice, pas Alisa, what the fuck. Elle augmente légèrement la défense. Très bien. Bon bah. On a plein de petits compagnons. C'est génial. Ah oui, en effet, les demandes d'amis sur PS4 sont bloquées. Car il y a eu de l'abus, donc je n'accepte plus. Alors attends, on va voir où ça nous mène. On va tester. Un coffre. Bah ça me fait aussi penser un peu au Kokoro dans Zelda. Alors, on a des items, très bien. Je sais pas jusqu'où on va là. Ouloulou. Ah si, je me rappelle du coup. On s'était arrêté en contrebas de cette petite falaise. Donc là, il y a moyen de farmer. Hein. On peut retourner en bas pour fight. On va pas le faire. Médite, trèfle à trois feuilles. Très bien. Bah, du coup, je crois qu'on a tout ramassé, là. Du arc, j'en ai fait à l'époque, quand c'est sorti sur PC. Mais c'est tellement chronophage. C'est... Je pense pas y rejouer un jour. Oula, qu'est-ce qu'on a? Une minute. Tu entends ce que j'entends? Nani? Alors, petit malin, vous croyez pouvoir vous balader tranquillement sur notre territoire? Ouais, ouais, ouais. Vous avez jamais entendu parler de Zoran, la vipère du ciel ou quoi? Veuillez nous excuser, nous ne sommes pas originaires de la région. S'il vous plaît, nous devons absolument traverser cette vallée. Ah oui? Et qui vous dit que vous n'êtes pas venu faire du repérage, hein? Ouais, ouais, ouais. Selon la loi des pirates, ceux qui pénètrent dans notre territoire aérien doivent être exécutés. Oui. Ouais, d'accord. Et oui, on était en train de marcher, pas de voler, hein, donc pouet pouet. Y'a plus qu'à les tuer. Mais non!